Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch, chers amis. Donc, nous sommes en défense sur Hollywood. Je vais prendre une petite diva, la petite diva qui va bien. Nous allons partir et essayer de faire quelques quick play pour une petite session de 3 épisodes. On verra bien la durée des parties, on verra bien ce que ça va donner. L'objectif étant, principalement, de farmer l'XP pour voir si on peut tomber ou pas sur des trucs légendaires ou de l'argent pour se payer des choses. En l'occurrence, l'objectif serait d'avoir le plus rapidement possible le skin légendaire de Zenyatta que je ne joue pas, forcément vous connaissez le truc. Hein. D'accord, pourquoi pas. Hop. Et donc essayer de voir si on peut pas casser des noisettes avec ce skin. Sachant qu'il y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire dans ce jeu. On en parlait hier soir, c'est marrant parce que le background en fait du jeu s'étoffe au fil des BD, des vidéos, etc. etc. Ah bah je suis pas le seul à tank qui est cool. Et du coup, bah moi j'espérais pouvoir voir un mode PvE arriver sur le jeu. Est-ce que ça vous intéresserait une campagne ou simplement un mode classique PvE avec des donjons à moitié à la manière de certains autres MMORPG ou RPG tout court. Je ne sais pas. Ils sont tous là? Cool. Allez, ça fait mal. J'ai besoin de heal. Alors oui, du coup, on voit beaucoup plus de Zarya en ce moment dans les games. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va me falloir du heal. Hop. Alors, il va me falloir du heal. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc pour rappel, Diva est un tank qui a deux modes de jeu, parce que certains d'entre vous demandent à ce que j'explique les personnages que je prends. C'est un tank qui a une capacité de balle complètement illimitée, et qui a le deuxième avantage d'être en fait à double capacité. C'est-à-dire qu'en fait elle a une capacité, là pour l'instant... Voilà. Crac. Hop. Parfait, on a eu elle. Et comme vous voyez, là je suis complètement à poil. Hop. J'ai cru voir quelque chose arriver par là. Hop. Comme vous voyez, maintenant je suis à poil, j'ai plus de compétences, cependant j'ai un pistolet qui fait une quantité de dégâts assez intéressante. Hop. J'entends quelque chose par là. Merde.
Hop! Ah la vache, ça va faire mal! Mais il nous manque d'huile. Il nous manque clairement d'huile et les DPS font pas le café. J'espère qu'on a un téléporteur. On en a pas. Et c'est bien dommage. Parfait. Hop. Où elle est là? Voilà, je t'ai follow. Hop. Donc dans la méta actuelle, la Zarya, elle est, on la retrouve beaucoup. Comme vous l'entendez, je suis encore malade, chers amis, je suis désolé. Hop. Et donc oui, donc elle a une capacité clic droit qui permet de, en fait, d'intercepter les balles, voilà. Et j'ai bien intercepté, attention, elle ralentit pas, elle fait rien, elle arrête pas, elle les intercepte. C'est-à-dire que c'est juste ce qui est devant elle. Un clic gauche qui fait des tirs infinis, un dash, comme vous avez pu voir, avec une recharge qui permet de lui voler aussi quelques temps. Et un ultime qui permet de sortir de son truc et de lancer bah, simplement une explosion, une autodestruction de son mecha. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du personnage. Désolé si je l'ai pas expliqué à temps. J'estime valoir plus de d'intérêt dans l'équipe que la. Alors tout le monde se barre, est-ce que vous voulez rester en équipe ou pas? Que je gagne du temps? Non? Eh ben je vais partir tout seul alors. Ok, bon, voilà. Durée de la partie 5 minutes tour, donc c'est parfait. On va essayer de garder des épisodes toujours d'une durée de 20 minutes environ. Et on verra bien ce que ça fait. Donc moi ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais retrouver une autre et on va repartir. A tout de suite. Voilà, chers amis, donc on y est pour le deuxième partie de cet épisode. Enfin, deuxième game de cet épisode plutôt que deuxième partie, tout simplement. Je partirai bien sur l'attaque de Li Jiang sur un tank, encore une fois, ou peut-être un DPS pour changer. Ah bah parfait. Parfait, parfait. Je vais prendre ma petite Pharah, ça fait longtemps. J'aimerais bien... Donc on a une Mei et un McFly qui arrivent au niveau 200 mais qui sont toujours aussi stupides et qui veulent pas pick de heal. Oh bon bah écoutez, on va partir sur un Lucio. Ok. Hop, on va essayer de garder un petit peu notre clic droit. Donc Lucio, capacité de heal via le son, via les musiques qu'il lance. Capacité aussi d'avoir un boost de vitesse. Non mais et putain, je pourrais avoir de l'aide. Merci.
J'ai loupé mon clic droit, je suis nul. Ils m'ont donné une deuxième chance, c'est génial. Voilà. Crac. Bon bah du coup, vu que j'ai pas le skin lutin non plus de notre ami le Lucio, j'aurais peut-être essayé de l'avoir. Voilà. Oh, tout ça pour le tank. Oh ! Hop ! Crac ! Capacité aussi à grimper sur les murs. Y'a personne par là qui arrive ? Où est-ce qu'il est? Hop. Hop. Où est-ce qu'elle est? La tresseur fait bien son job, hein, je veux pas dire, mais... Je l'ai pas touché, c'est dommage. Voilà. Boum. Ok, bon bah ça se passe plutôt bien. On a du bol. On a des gens qui savent jouer avec nous, c'est cool. Ok, bon, alors du coup j'en parle cette semaine parce que du coup il y aura Noël pour moi cette semaine, hein. C'est vrai qu'avec le décalage, de toute façon je ferai une petite vidéo pour vous chers amis, vous inquiétez pas sans doute sur Overwatch, parce que vu qu'il y a une version Noël d'afficher, ça peut être cool. Donc je vous souhaiterai un joyeux Noël à ce moment là, j'espère que je vous aurai souhaité un bon Noël. Attends, pardon, excusez-moi. Quoi qu'il en soit chers amis, pour Noël, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oh, merde. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez eu l'occasion de vous retrouver en famille. Hop. Commence à être nombreux. Je l'ai pas touché. Ah la vache. Elle est balèze. Ah la vache. Je me suis fait rect. Ah bah là sans heal ça va tomber dur, hein. Cherchez pas. Qu'est-ce que je disais? Vous allez la tuer? Le Macri. Pourquoi prendre Macri si t'arrives pas à faire des kills sur une Symmetra? J'arrive les filles, j'arrive, calmez-vous. Boum. Hop. Alors le problème c'est que j'ai encore un peu de mal avec la cadence de tir de Lucio. Hop, voilà.
Bon, il n'empêche, ça se passe assez bien en règle générale. Ouh, le headshot. Crac, il y a du monde sur le point. Boum. C'est extrêmement compliqué de buter là. Je la touche. Hop. Ah la vache. Ah c'est la symétra. Alors la symétra est complètement OP depuis la mise à jour. J'ai vu des symétra. Enfin j'ai vu des... Oui, j'ai vu une symétra surtout elle qui était... J'ai vu une symétra qui était complètement OP. Qui était capable de buter un Reinhardt et un Chopper en se prenant des coups et en étant heal. Ah merde, désolé. Merde. Ah bah rect hein. Rect. Dommage, c'est pas grave. Ce qui me ferait chier, c'est de la perdre, maintenant. Les mecs. Putain, mais butez-la. Ah la vache. Bon bah tant pis hein. C'est pas grave. Heureusement on est qu'en quick play hein, chers amis, si je puis dire. Oh, alors ça je sais pas si c'est la meilleure des idées. Enfin bon, on va repartir avec la même, pratiquement la même compo. Et ça a pas marché. Putain, j'ai pas eu le temps de m'approcher. Putain, mais la portée de cette symétra, quoi! Eh ben non! Alors, je croyais que j'étais gelé. Ah, d'accord, elle a eu le temps de revenir, elle! Je croyais qu'elle avait été kill. Enfin, bon, c'est pas grave. Allons-y! Regardez-moi cette symétra quoi. Hop. Où est-ce qu'elle est? Hop. J'arrive pas, je suis tellement mauvais avec ça. Putain, comment j'ai pu la louper? Hop, ça prendra. Merde.
Voilà. Boum. Allez. Hop. Parfait, merci d'avoir mis ton mur à ce moment-là. Merde. Je croyais qu'elle allait pas faire le tour. Ah la vache. Ah la vache. C'était propre, c'était propre, c'était propre. Bon, qu'est-ce que vous pensez de mon Lucio? Dites-moi si vous êtes ceux qui sont un peu plus... un peu meilleurs que moi. Ce qui n'est pas dur à trouver. Qu'est-ce que vous pensez de mon Lucio? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que... quelque chose vous dérange avec? Hop. Je sais que je grimpe pas assez sur les murs, mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe. J'ai pas le réflexe pour, donc... Donc bon. Mais j'ai pas tendance aussi, j'ai tendance à rester en mode heal quand on pourrait esquiver peut-être quelques tirs supplémentaires. Donc je ne sais pas. Oh le pauvre... Mais 36% c'est pas épique. Bon, je vais me mettre des points parce que j'étais le seul à avoir healé. Donc bon. Hop. Bon, on va peut-être pas avoir de coffre dans cet épisode. C'est dommage. Sauf si on a deux petites parties. Ah bah c'est bien, j'ai bien augmenté ma moyenne. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon. Ok. Bien, mon Lucio. Hop, voilà. J'aimerais si possible ne pas repique heal. Off. Ah bah c'est parti pour. Hein. Ah, merci. Merci, merci. Du coup, on a qu'un seul tank. Non, on a deux tanks. Effectivement, on a deux tanks. On a qu'un seul heal. Du coup, je vais pas repartir sur un tank, plutôt partir sur un personnage qui a du heal pour lui. Ah, les fêtes sont arrivées. Cool. C'est dans la haute. Ce qui est bien, c'est qu'elle a la voix pratiquement aussi cassée que la mienne, donc c'est cool. Ok, c'est parti. Ça fait longtemps que je l'ai pas piqué. Je les pique rapidement en 3v3, on a gagné hier soir. What? What? Enfin, what? Ah, ça, je savais pas. Ah, je savais pas qu'il me one-shot, lui. Oh, ouais, forcément, ça va être que ça. Donc, c'est pas la peine. On a un super Hanzo de la mort en face. Ça va être la multiflèche, la multiflèche, la multiflèche. Putain. Ah, ça, je déteste. Mais genre, j'exècre ce personnage. Mais alors, faut dire que le Bastion aussi, il est débile ici. Mais c'est pas grave. Faut pas imaginer qu'on aura le point, hein. Bof, suicide. Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tout le monde prend des pics débiles. Donc, je vais prendre un pic débile aussi. Un tir, un mort. Vous en remettrez.
Hop, c'est pas grave. Continuez avec vos pics débiles, c'est très très bien. Oh la vache, je l'ai chargé quoi. Bien sûr. Putain, mais comment je peux me faire les deux, moi? Oh, mais il est... en plus, il a l'arme en golden, quoi. Oh, mais c'est pas la peine! C'est ce qu'on appelle une compo à deux balles. Oh bah bien. Oh non! Putain mais... Hop! Ok! Putain, je l'ai chargé à fond. Oh non! J'ai appuyé sur... Putain, mais te mets pas devant moi! Putain, mais... Restez devant moi, vous avez raison. Oh, Anna! Putain, ouais, bah y'a Zarya devant tout. Tout pour me déplaire. Tout pour me déplaire. Voilà. Ah bah oui, ça live là. Ah bah oui. Ça vient jouer des personnages. Ça vient jouer Bastion et. Ah non, c'est Shining qui jouait Bastion. Non, c'est pas chez nous, c'est en face. D'accord. Et donc sinon des vrais pics ça vous intéresserait ou pas? Parce que dans ce cas là moi je prends un pic débile aussi hein. Enfin un pic débile, oui et non hein. C'est pas un pic débile hein, mais c'est juste que je sais pas le jouer quoi. Excusez-moi, ça me fait chier d'être malade. Ça me fait vraiment chier d'être malade. Ça fait plus d'une semaine. J'en ai mal partout. Ah, je croyais que je pouvais grimper. Allez, c'est parti, Marcus. Concentration. Je sais pas si je peux grimper. Non, je peux pas grimper, là. Hop. Je sais qu'il y a un point de santé ici. Objectif en cours de capture. Hop. Crac, on va aller chercher la... Hop. Allez Marcus, sauve-toi la vie! Oh putain!
Mais non, mais t'es sérieux? T'es sérieux? Vas-y, montre-le-moi ton kill là parce que j'aimerais comprendre. Mais je suis à 3 km! Hop! Mais il grimpe sur rien en fait, sur cette map. Ah, je m'en doutais. J'utilise pas assez le E. Je le sais, hein. Ça par contre je le sais, chers amis, hein. Je vais demander des conseils sur Lucio. Je le sais, alors oui, donc Genji, clic droit, clic gauche, pardon. Clic gauche, tir droit. Clic droit, tir en éventail. Dash avec le mage. E, voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est tout ce qu'ils savent faire, alors putain d'Anzo, quoi. Ça me saoule par contre. Hein. On n'a pas de heal ou on en a? Ah mais elle me saoule! Elle me saoule! Putain, ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule. Constamment tout seul, ça m'énerve. Forcément. Vais-je avoir un coup de main? Non! Zéro! La diva me tourne le dos! Ça me saoule! Ça me saoule! Regardez ça! La diva! Non, non, bah non! Non, non, je vais faire autre chose. Il y a 4 ennemis devant moi. Non, je vais. Je sais pas. Clic gauche dans le vent. Ça peut être rigolo. Et forcément. Putain. J'ai le droit à du heal ou pas, nom de Dieu, ça m'énerve. Ah bah c'est un peu tard maintenant. Hein. Hop. Voilà. Oh, pauvre Atek. Non. Ah mais le pire c'est que je lui ai dit à Greenlock hier soir que c'était non, que pas d'invite à l'arrache. Ah là là. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup de misclics je trouve, hein, monsieur Greenlock. Greenlock. Donc ici, je vais plutôt partir sur une Sombra, vu qu'ils avaient... non, sur un... Non, sur la Sombra, tiens, pour le fun. On a plus qu'un tank, ah bah oui, pourquoi en avoir deux maintenant? C'est pas grave. Hop, en douceur. Tout doucement. Hop.
Il va rester planqué. Il est resté planqué tout le long. Hop. Je suis tout seul. Allez les mecs, le point. Ce serait cool. Personne, 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 ça sert à rien. Hop. Le mec, ça fait 3 parties qu'il OTP. Ah bah bien. Bien, bien, bien. Voilà. Hop. Enfin bon, j'ai encore été salty à la fin de l'épisode, comme d'habitude. Eh bien, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!